Capodastre, deuxième case, premier accord, si cinquième. Deuxième accord, la mineur, septième. Troisième accord, si septième. Et mi mineur. Explication du compas. Alors, on bloque les cordes. On commence en donnant un coup vers le bas avec l'index. Un deuxième coup. Deux. On monte avec le pouce. Et on tape. Bas, bas, haut. Ensuite, on monte avec l'index. On descend avec l'index. Et on monte avec le pouce. On recommence un coup avec l'index dans le bas, un deuxième vers le bas, on monte avec le pouce, on tape, on monte avec l'index, on descend avec l'index, et on monte avec le pouce. Ça, c'est la première partie. On revoit vite fait la première partie, tout doucement. Maintenant, deuxième partie du compas, on va faire un golpé, donc le pouce descend sur les cordes, en même temps on tape avec les doigts de la main droite sur la caisse, comme ceci. On l'a déjà vu ensemble. Le pouce remonte, l'index redescend, le pouce remonte et on tape. L'index remonte, l'index redescend, et le pouce remonte. Et voilà. Maintenant, on va voir le golpé ensemble à vitesse très réduite. D'accord? On fait tous les deux. 1, 2, moins vite. Avec les accords. Sur le mi mineur. Deux fois. On donne deux fois un coup vers le bas avec l'index. Bas. Ensuite, haut avec le pouce, bas avec l'index, haut avec le pouce et bas avec l'index. Ensuite, une technique de rasgedo qu'on n'a pas encore vue et qu'on verra ça plus tard. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Allez, bon dimanche. Ciao.